you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Il nous montre le chemin. Il y a 75 millions d'années, un extraterrestre nommé Xenu. Voici l'histoire que vous découvrirez avec le grand secret au T3, ou comment un empereur intergalactique a balancé des milliers, des milliers, des milliards d'autres aliens dans les volcans de la Terre, qu'il leur a balancé une bombe nucléaire de chiffre et les avoir balancés dans des volcans. Et que les âmes de ces aliens sont sur vous. Voilà ce que dit la scientologie. Vous croyez être tout seul, mais non. En réalité, vous êtes des milliers dans votre corps. Agnès va te faire redouter. Agnès va te faire redouter. Agnès va te faire redouter. Agnès, rends-toi. Alors, voyez. Je ne sais pas si vous savez, mais ça, c'est leur... Alors ça, vous voyez, c'est leur technique classique, ils ferment les rideaux. Pour pas qu'on nous voit, parce que s'ils ne nous voient pas, techniquement, on n'existe pas. Et le problème, c'est que... On est là. Oh là là, Agnès, Agnès, elle me déçoit, la pauvre. Hein. Agnès, toi aussi tu vas voir ton procès en Belgique. Vous allez voir. Bien sûr, pour le moment, vous êtes toujours présumé innocent. Hein. Scientologie, escroquerie. Surtout, n'allez pas à Copenhague. Il y en a un en Europe. Il est à Copenhague. Ça s'appelle RPF. Tu peux nous rappeler ce que c'est que le RPF? Donc ils retiennent les passeports et tout? Ils retiennent ton passeport, ils retiennent tous tes comptes en banque, ils te brisent totalement en te faisant faire des travaux forcés 15 heures par jour jusqu'à épuisement. Et c'est quoi le travail forcé? Bah tu meurs et puis bon bah ils t'en perdent là dans la... Et c'est quoi le travail forcé qu'il y a à faire? Ah bah, ce sont toutes ces tâches dégradantes, c'est-à-dire que par exemple moi qui ai fait le RPF, j'étais chargée de nettoyer les crottes de chiens autour du complexe là de Flag. Il y avait beaucoup de chiens. Je ramassais les poubelles et puis j'ai nettoyé les chiottes avec une brosse à dents. Wow. Mais c'est sympa la scientologie, dis donc. Et comme ça, on clarifiait la planète en nettoyant les chiottes avec une brosse à dents. C'est-à-dire, on nettoyait la planète. Voilà, on nettoyait la planète. Agnès, je t'aime sur 2D, Agnès. Allez vous faire redouter. Pas en 2D. Et après vous faire dégoûter. Agnès, elle va sortir et fermer ses rideaux. Regarde-moi ça. Je ne savais pas que son embonpoint lui permettait encore de fermer les rideaux. Voilà. Mais on utilise des technologies de nos jours, hein, donc voilà, on est bien dans ce domaine-là. Thank you.
généralement on sait bien se protéger, hein, donc on est, généralement quand on fait ce genre d'action, on est déjà informé des risques en plus et des points qu'il faut. Mais généralement on sait comment se protéger et comment éviter de se faire. Voilà. Est-ce que vous n'êtes pas encore bien connu les gars? Comme ça, il y a... Bah écoute, Rico Rouge, je t'avais dit que j'irais voir ta copine Agnès. Je te l'avais promis. Bah, comme tu vois, Rico Rouge, j'ai encore tenu ma promesse. Hein, contrairement à la scientologie qui a été condamnée alors qu'ils viennent pas escroquer les gens. Voilà. Alors, bah, bientôt, normalement, notre prochaine cible, eh bien, ce sera l'Allemagne. L'Allemagne, voilà. Donc, on va aller voir nos amis allemands. Et puis, on va aller vous dire bonjour chez les Allemands, les petits scientos. Et on vous dira Auf Wiedersehen, mein Liebe. Alors, voilà, Eric, tu es à prendre pour ton grade, toi aussi, dis donc. C'est quand, toi, ton procès? Et le mien, c'est quand? Parce que j'attends mon procès, moi. J'avais mon procès! Je vais faire un petit message. Et vous savez ce qu'il a fait quand il a été condamné en France pour escroquerie? Il s'est barré. Ce lâche. C'est un lâche. La scientologie est une organisation masquée de lâches. Ne vous en faites pas, on vous dégagera. Dans le cul, dans la justice belge, j'espère.
c'était génial. Hein. Bon, apparemment, ils n'étaient pas franchement très contents de nous voir, ça t'en penses quoi? Ah non, pas du tout, hein. Pas du tout contents de nous voir. Bah, surtout la gentille Agnès qui est émerveillée par notre petit rêve du jour. Et puis en plus, avec son petit embonpoint, ça faisait une petite boule de merde bien grasse comme ça. Mais bon, écoute, c'est pas grave. On avait promis d'aller la voir. Hein. Et notre prochaine cible sera l'Allemagne avec nos amis Anonymous d'Allemagne et des autres pays d'Europe. On t'avait dit, Agnès, qu'on viendrait te voir. On t'avait dit, hein. Tu ne croyais pas? Tu ne croyais pas? Bah écoute, tant pis pour toi, Agnès. Hein. Donc voilà, Rico. Désolé, mon petit chéri, mais c'est comme ça dans la vie.